Chers frères et sœurs, nous commençons. Là où ça nous a arrêté la dernière fois, hadith numéro 30. C'est quand rapporté par Moussa al-Ash'ari, il a dit Allah, il a dit Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, idha marida al-abd, ou safara, kutiba lahu mitha ma kana ya'mal muqiman sahiha. Rapporté par Moussa al-Ash'ari, il a dit Allah, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin genou, quand il s'est invité à un malade ou bien en voyage, écrire pour lui l'équivalent ça qu'il est pour faire s'il est en bonne santé ou bien s'il est sous la case. Veut dire qu'il est parti en voyage. Hadith a terminé même. Regarde bien ce hadith à faire. Un serviteur, veut dire un djiboun, il est habitué à faire une action. Ici, pas pour l'habitude, mais seulement. Le fait qu'il y en a la force, il y en a le courage, il fait aller. Et le fait qu'il n'y ait pas un voyageur, veut dire qu'il est dans le monde sur l'endroit, il fait tel, tel travail, il fait aller. Connaît tout quelque chose, il est la fin. Nous courage, il est la fin. Nous guettons nous comme ça là, tout ça qui est là à l'intérieur de nous. Tout est la fin, ça. Connaissez pas pièce de rechange. Vous direz, mon pensée, mon étier, mon poumon, mon remplacé pour un autre, mon étier, mon léguer. Il va comme ça. Hein. Pour arriver à un moment, nous courage, pas pour pareil, frère. Acceptez-le, ce coup de la vie. Pour arriver à un moment, ben, quelque chose qui nous peut faire dans la vie, il commence à diminuer. Acceptez-le, c'est le coup de la vie. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith lui dit à nous profite 5 quelque chose avant 5 et là-dedans un lui dit à nous par exemple profite de zénith avant de vieillesse. Profite de zénith avant de vieillesse, c'est pas quoi dire, tu es obligé de faire 400 coups. C'est fini, comment on se fait une bonne action depuis à ce temps-là. Quand arrive ce moment, qui est une malade là. Ici, la maladie, ce n'est pas quand on reste à l'hôpital. Ici, la maladie, ce n'est pas quand on dirait que tu as besoin de quelqu'un pour amener toi à Masjid. Ici, la maladie, c'est sa action qui te n'est plus capable de faire la cause de rendre dans l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? La maladie ici, longtemps nommé moi, de samedi, de dimanche, je finis de nettoyer tout seul, je nettoie tout, je tout, je nettoie tout, je suis tout seul. Je suis seul, pas de personne. Avec l'as, je suis prendre quelqu'un pour aider moi. Avec l'as, je suis délègue quelqu'un fait travail, là, je suis checké moi. Combien de changements comme ça arrivé? Avant, moi, tout seul, tu peux faire tout, là. Avec l'as, je prends quelqu'un pour aider moi. Avec l'as, je délègue du monde pour faire mon supervise travail, là, c'est-à-dire. Mais seulement ça qui me paraissait rendre moi compte, c'est que quand je prends quelqu'un au moi, là, là, ça ange là qui peut écrire pour moi. Quoi dire, moi, je vais tout. Vous connaissez ce qui peut passer là? Vous avez quand on travaille dans une compagnie, vous direz pour pas mettre tout de haut. Vous continuez à venir où? Vous continuez à venir dans un instant, vous connaissez, je n'apprends pas dans ta certificat, mais où continuez à venir où? Et vous avez décidé de travailler dans la case, papa, le bas, ça. Nous, vous donnez, pas qu'un travail comme ça, vous continuez à venir. Définitivement, la paye n'a pas pareil. Donc voilà, tu peux gagner 25. Là, nous donnons minimum base, 12 000. Nous allons mettre tout de haut. Vraiment comparé à ce que tu peux faire avant, on gagne un travail qui est plus léger. Mais seulement ton travail là vient plus léger. Ban billet là, c'est vient plus léger. Il est comme ça. Mais devant là, il n'est pas comme ça, frère. Devant là, il n'est pas comme ça. Qui ça dit, monde qui dit, mis au travail?
Même ou pas faire ou assiser ou dire les autres faire pour vous, des pays ou pareil. Pas gagné à faire. Si vous gagnez, c'est qu'est-ce que vous avez dit, papier pour bassin, on dit. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Vous avez dit qu'il y a la paix de nous. Veut dire si de mon aînés pendant 10 ans, on fait tout ce travail là. Après les temps, les mourir, ils commencent à diminuer. Devant là, ils commencent à écrire. Mais tu ne viens faire. Dans tes aînés, toi, écrire tout pareil. Déjà, même en voyage. Oui, imaginez-nous, un dimanche, il a voyagé dans la Chine pour travailler, pour dunia, il a voyagé pour dunia. Mais c'est mal au son compte qui peut écrire là-bas. Il vient de toi et mardi dimanche. Et de Guangzhou. Peut dire ce qu'il prie là-bas. Mais c'est le monde devant Allah qui peut écrire. Et il peut brosser au Canada. Frère, écoutez, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit nous, mais. Moi, tiens, photo, comment brosser au Canada pour motiver les autres à faire ça? Si ça a été dit, ça n'a pas motivé pour faire bonne action. Pas de photo qui vous motive. Si ça a été dit, ça n'a pas motivé pour faire bonne action. Pas de photo. Nous avons un check sur le status. Un coup de brosse pour moi, un coup de brosse pour moi. Oui, vous avez connu la main droite, la main gauche, le brosse. Parce qu'un coup de fait, c'est le fin de foutre, un coup de fait, le tirer. Après, ça, on trouve comme ça. Mais seulement. Dis-moi en voyage, frère. Quand Allah subhanahu wa ta'ala écrit, et troisième qui va nous savoir amener, c'est Allah subhanallah. Vraiment, chaque fois que vous nous dire, les chers frères, puis la personne qui est plus contente nous qu'elle là. Quand tu me dis, oui, on va d'accord, tu vas trop gagner toi. Mais on va venir dans la tête de gagner moi. Si vous connaissez Allah, gagne moi, correct. Frère, vous connaissez qui va nous savoir dire. Même un dimoun qui habite fait une bonne action. Arrive ça moment qu'il y a le faire, ça qui est meilleur que sa bonne action qui devient là. Écrire ça l'autre là aussi dans son compte. Subhanallah. Même un dimoun habite fait une bonne action. L'inal gain un qui est meilleur à se dire. L'in quitte cette bonne action, il y a le faire ça qui plus meilleur là. Devant Allah subhanahu wa ta'ala qui écrit tous les dix, parce qu'il y a une question qui ne bouge, toi, pour ne pas faire ça, sinon tu peux faire les toi. En d'autres mots, l'objectif de ce hadith, c'est quoi? Quand il y a un barrière qui empêche toi de faire une bonne action qui t'a habitué à faire, tu continues sur récompense, toi. Le but là-dedans, c'est quoi? Quand il y a un barrière en toi, une bonne action qui t'a habitué à faire, devant Allah, tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est ça, chers frères et sœurs. Tant que nous avons courage là, fais-le. Fais-le. Aïe, je vais faire après une semaine. Je vais arrêter. Pas qu'un tracat, fais-le. Si ça, deux semaines là, lui suffit pour écrire ça, qui tu ne fais jusqu'à tout mourir. Fais pas deux semaines de travail. Comment vous avez gagné comme ça? Donc, médite le hadith là. Fais-le un de bon moyen, un de bon but, comment nous dire, un de bon l'intention. Voilà, même demain, on va pas être capable, la cause l'as, ou bien capable demain, on va venir casse pour continuer à faire sa qualité de travail là. Mais seulement quand il y a un barrière qui empêche toi de faire une bonne action, qui te habitué à faire, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue, récompense-nous. Et surtout, comment nous dire, chers frères, imaginez-nous, il quitte une bonne action pour y faire un sac qui meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala récompense les deux. Hadith 31. Rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam janu asri'u bil janazati fa innaha in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum. Abu Hurayra radiyallahu anhu dit, fais vite avec ce ban janaza. Si ça dit qui ne mou la tienne mauvais dimoun, sorry, si ça dit qui ne mou la tienne bon dimoun, alors je pourrais amener vite vers la place que tu mérites.
Et si ça dit moun qui ne mou la tienne mauvais dit moun, alors je peux débarrasser un animal depuis je te épaule. Alors je peux débarrasser un le mal depuis je te épaule. Nous répondons. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, chers frères, aslihou bil janaza. Fais vite avec janaza. En d'autres mots, c'est pas seulement quand on lève les pémites de janaza, ensuite qu'il est pour faire maillette. Ah ben, il finit par rester 9h-5 là, il n'y a pas de faire vite. Non. Hadith, il commence depuis la personne décédée. Fais vite avec les autres. Parce qu'il fait. Parce qu'il peut faire une action qui nous fait drôle, frère. L'inmoz aujourd'hui, Nevir, quand on a mazanal, quand nous voulons manger, demain Zohar, ok là? Je vais faire un instant matin tout. Le temps mené Zohar à se lever midi, allez à l'Mazid, qui vous a fait avant là? Fait Zohar avant. Comment Zohar, l'imam fait sa lampe, ben frère, et comment le prophète dit, j'ai fait vite avec Janaza, nous faisons Namaz Janaza là, vite, vite, ensuite nous faisons. Tout le monde finit dans le 12e temps. Tout le monde finit dans le 15e temps là. Si ça bout là, là, pas besoin de faire sur note, nous faisons Namaz Janaza là. Regarde bien ce que nous pouvons faire. Mais ça 15e temps là, tout le monde finit dans le 12e temps. Nous, en attendant, ce qu'il est retour, c'est juste quand il rentre dans Mazid, ce qui arrive sur Namazanaza. Le retour commence depuis qu'il est décédé. Je te vais attendre ce garçon, rentre le volet, il disait au grand matin. Ça qu'il est retour là. Parce qu'il te tient à toute chance, 11h30, fini enterré là. Tant que paru minuit, tu te tient à toute chance. Hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas enterrer Zot Banmo le soir, parce qu'à cette époque-là, pas tient dans la lumière. Donc, pour pas mettre difficulté, le bandi moun qui vous venez, bien aujourd'hui, nous avons facilité là, frère. Qu'il soit le chemin, qu'il soit parking, qu'il soit à l'intérieur. Mon papa dit que cette action, faire Namaz Janaza avant sunnat là, n'est pas bon. Il est bon, ni hein. Mais c'est le mot qui fait nous concentrer sur sa bout là. Qui fait que tu lèves maillette là 11h30. Tu arrives Mazid midi, tu fais Namaz Janaza là, tu as l'enterré, après tu viens te faire Zohar et Nir. Tu lèves 11h15. Malheureusement, aujourd'hui, maillette invine, comment dire, les Anika, après Isha, après Zohar. On va nous fixer. Si on dit maillette pour lever 11h15, qu'est-ce que tu crois de lire comme ça? Mais la cause, il prend 30 minutes pour arriver à la côte Mazid. Midi moins 15, quand midi fini, fait la Mazanaza. Midi, ce qu'il y a, fini. Dafnao. Fini, nous faisons Zohar, Christian, nous retournons. Comparer l'état où lève midi, après Zohar qui parle Dafnao. C'est pour ça qu'il a trouvé dans Dimoune, fait la Mazanaza, après y aller. Donc, c'est pas quelque chose qui nous dit, chef Ressel nous trouve les retour, vinzis quand il rentre dans Mazid. Au fait, depuis l'inmo, tu ne dois pas faire retour avec lui. Et ça, sans aucun doute, chef Ressel, il y attache avec la situation. Il attache avec la situation. Veut dire, un djimoun, un mot, un lamo, comment nous dire, un adulte, douteuse. On trouve Soko, vini. Ou trouve banan, venez, vous connaissez, mais juste avec vous, tu es dans la case, un coup de téléphone de Janine. Et là, on dit bien fort. Donc, quand il accepte ça comme ça. Donc, ça, ban retour là, et vous venez, frère. Mais seulement si tout, l'on nous contrôle, Dimouna fin mot naturel, et je tout connais, tiens, Dimoun bien malade, le retour, c'est pas seulement quand il rentre dans Mazid, après les Namaz. Le retour, il vient depuis.
depuis qu'il est fin, depuis que ce jour fin quitte sur les cours. Qui fait astir? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: si tu es un bon djimoun, un bon, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Qui veut dire c'est un bon, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Veut dire se permettre de sa bonne place là. Chers frères, ça montre nous, même un djimoun in mort, quand il a bon quelque chose, profite-lui. Même un djimoun in mort. S'il y a un bon djimoun, ça pour bon pour lui te ramener plus vite. Pas parce que pour nous là, hein? Parce que pour lui. Sa place qui te permet ni là, mais ça me dit qu'il est content de rester au Dunia là. Mais seulement, chers frères et sœurs, et si sa personne qui est mort là, il n'est pas tient bon du monde. Et guette bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, guette ce terme arabe tout. Il dit, wa in takun siwa un dhalik. Siwa un dhalik veut dire, il n'est pas comme un premier là, veut dire, il n'est pas comme ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parle de nous un mauvais du monde. Mais s'il n'est pas un bon du monde, qui est poète. Mais si tant on dirait pour nous montrer nous qui caractère détestable ça qui peut suivre là. Il pas dire nous s'il y a un mauvais du monde. Il dit nous moi c'est il pas tient bon du monde. Alors c'est un le mal qui te débarrasse de tes épaules. Ça hadith chers frères et sœurs montrez nous qui même un du monde qui mort c'est de type vivre de désobéissance. Il a l'effet le nous, débarrasse avec lui. Mais comment tu as fréquenté un mauvais camarade aujourd'hui, quand il est vivant? Et si il est mort, on va dire pourquoi Dieu ne pas fréquente lui? Pas fréquente lui. Dans l'in mort, puis Dieu nous, tu as évité de deux épaules. Mais si il est vivant, comment tu es capable de fréquenter un djimoun qui amène toi pour désobéir à Allah? Mais là, chers frères et sœurs, un point bien important. Si un djimoun pose une question, il n'y a pas de droit de dire. Oui, c'est ce péché pour lier qu'Allah. Il n'y a pas de droit de dire. Vous avez dit, alhamdulillah, vrai, il bien comprendre. Mais seulement ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas dire nous zizli, pas dire nous protège nous. Attention, nous influencer avec lui. Jamais on trouve un djimoun, il influence un autre, ensuite il licencie. C'est un coup là-bas seulement. Si un djimoun dit où, mais ou pas qu'il y a un droit ziz un autre. Je dis, pas besoin de personne. Il me dit, moi, reste-loi avec un djimoun qui vit de désobéissance. Pas la cause de désobéissance, mais la cause pour prothèse. Moi-même, attention, je commence à faire désobéissance. Parce qu'il me prend compte pour moi, il me prend pour lui. Pour protéger moi-même, qui ne dit pas fréquent, je frère. Si ça, c'est le cas, quand un djimoun fait mort, comment aujourd'hui nous allons fréquenter un djimoun? De n'importe quelle façon. Pas fait namaz, Ramadan passé par God Rosa. Les nakas qui ont fait des tours du monde, mais Umrah Hadji pas intéressé. Les causes anglais, causes français, mais tant qu'on a fait comme ça, quand tu monde, oui, la communauté de Dunia, oui. À part Dunia, puis il y a un qui me fait fréquenter du monde comme ça, frère. Nous redis, nous pas péger ça, du monde. Mais seulement, je me protège moi-même pour ne pas influencer avec toi. Donc ça, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle nous, chers frères et sœurs, faire vite avec Janaza. Et quoi nous venons dire? Janaza, c'est pas quand il rentre dans Mazid qui appelle Janaza, c'est le moment qu'il finit de décéder pour donner son roussal, pour mettre son kafan l'ouli, pour mettre l'idée de Janaza, pour faire son amas Janaza, pour alenter lui. Pas choisir les frères. Tant qu'il est capable de finir faire plus vite avec lui. Et Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons avec Hadith
numéro 33, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant le nombre qui est dit tiré de les zakat. C'est ça qui va avec nous, inshallah, l'autre semaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.